Je voudrais d'abord vous souhaiter la bienvenue au Sénégal. C'est un camp qui regroupe une vingtaine de nationalités, mais qui est exclusivement réservé aux jeunes filles. C'est important. Au moment où le Sénégal a besoin de relève dans le domaine du basket féminin. It's very important that the world knows that, you know, FIBA Africa and the NBA, we are committed to developing women's basketball on the continent. We cannot ignore 50% of the population where we only invest in men basketball and ignoring the women. So we're working to a point where we have 50-50, 50% investment will go toward women basketball, and not only the young ladies from all over the continent, we want to invest also in developing women coaches. Nous essayons de relancer le basket au niveau des jeunes, mais le basket au niveau des jeunes, c'est aussi les entraîneurs. Ce qui fait que dans ces camps, nous avons un mix. Hein, nous avons le désir de former, de donner un savoir-faire aux jeunes, aux enfants, mais également à ceux qui les entraînent. J'aurais aimé que toutes les coachs, toutes les coachs femmes de la Côte d'Ivoire puissent participer à ce genre de camp. Pas seulement la Côte d'Ivoire, mais aussi l'Afrique. Parce qu'après ce camp, il y a une ouverture d'esprit extraordinaire. C'est incroyable. The future is in Africa. So after the ball started last year, so this year as a project to empower women in basketball and to get in touch and to give opportunity to the grassroots, and those are the future and the new jewels and the new players for the basketball in Africa. Ce qui manque, c'est ça, pour que les filles qui sont des outliers, qui sont dans leur communauté, qui veulent et qui peuvent pas, ou bien qui n'ont pas assez de modèles devant elles pour pouvoir vraiment savoir que it's okay to be different. C'est OK d'être différente, c'est OK d'être très grande, c'est OK de ne pas avoir assez de chaussures ou bien d'avoir la chaussure qu'il faut. Mais si elles viennent ici, elles rencontrent des filles qui sont dans le même cas, du Congo, du Mali et du Sénégal. Elles se rencontrent, elles se regardent, elles disent « Oh, je ne suis pas seule dans cette aventure et j'ai des opportunités. » Vous savez, sur le plan technique, en Afrique, ce qu'on remarque, c'est qu'à jeune âge, les joueurs et les joueuses ont beaucoup de individual skills, des fondamentaux de jeu. On est là pour leur donner un petit peu les outils dont ils vont avoir besoin, les outils techniques, de techniques individuelles dont ils vont avoir besoin, mais aussi de tactiques individuelles. On a vu dès le début de ce camp-là que le volet tactique individuel manquait. Et c'est comme si un peu de palier à leur donner ces outils-là, ces connaissances-là, pour qu'elles puissent ensuite continuer à les développer une fois de retour dans leur pays. Lorsque je suis là, j'ai bien vu les choses en détail. Les coachs nous avons parlé de leur expérience. Ça donne envie de réussir. Et du coup, on fait de tout notre possible là dans le camp pour être plus. Ces filles-là sont vraiment très très motivées. Elles représentent normalement les meilleurs joueurs de leur pays. Elles ont beaucoup progressé, vraiment, en un jour déjà, on voit une progression. Parce qu'à part la volonté de vouloir progresser et d'apprendre, je crois qu'elles sont très passionnées, très motivées, et ça peut être qu'un plus. Nous, on a commencé à jouer au basket par passion, parce qu'on savait, on n'avait pas tous les avantages qu'elles ont en ce moment. D'avoir déjà une ligne directe pour pouvoir dire « Oh, ceci est possible ». D'avoir les chaussures, d'avoir le gymnase climatisé, d'avoir les équipements et d'avoir les instructeurs qui sont prêts à aider. Donc, prendre avantage de ça, parce que nous, on n'avait pas toujours ça. Et avec tous ces manquements, on est arrivé au plus haut niveau. Donc, il n'y a pas de limite réellement. Il n'y a pas de limite vraiment. Parce que si nous, on peut le faire, elles peuvent définitivement le faire. Africa is coming. Nous sommes le futur.